Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16h. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Bonjour à tous. Avant de vous parler de ce concours de pyrotechnie, je voudrais vous parler de moi et de ma passion du feu d'artifice. J'ai eu l'honneur de travailler pour une grande société de feux d'artifice française où j'ai fait des films d'entreprise. Ça m'a complètement émerveillé. J'y ai connu des personnages complètement incroyables, des gens qui, j'espère, vont vous ravir. Mon premier personnage est Jean-Pierre Ziegler. Il est chimiste. Il n'a qu'une passion, créer des bombes et les tirer ensuite. Mon second personnage est Claude de Vernois. Vous le verrez tout au long de ce reportage. Il est réalisateur et c'est lui qui tire ses feux d'artifice. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener au château de Chantilly, où il y avait un des plus grands concours du monde. Toute la planète s'y donne rendez-vous. Alors, attention aux yeux! Dans l'enceinte du château de Chantilly, de véritables chantiers se forment. C'est à l'occasion des nuits de feu, un concours pyrotechnique connu des artificiers du monde entier. Les célèbres jardins de l'Enôtre sont alors envahis de toutes sortes de tubes, de fils électriques, de récepteurs radio, de bombes et d'autres objets qui sentent, à n'en pas douter, la poudre. Mais alors d'où nous vient cet art du feu d'artifice? Qui l'a introduit en France? Le feu d'artifice est né à Versailles au sens culturel du terme tel qu'on le connaît en France. C'est véritablement le lieu de naissance du spectacle pyrotechnique. Louis XIV, lui, avait compris immédiatement que le feu d'artifice était ce qui, à moindre coût, pouvait remplir le plus le ciel et le plus épater. Donc il avait créé la charge de maître artificier, au même titre qu'il a institutionnalisé toute une série de phénomènes artistiques tels que la musique, le chant, la danse. Il a institutionnalisé l'artifice comme étant une des références principales de l'art de la fête en France. Ce sont des fêtes qui, la plupart du temps, avaient un rôle politique et qui étaient là pour célébrer soit un événement familial au niveau de la royauté, une naissance, un mariage, ou encore un événement politique plus important comme la paix, parce qu'on passait beaucoup de temps à faire la guerre, ou la victoire d'une guerre en tout cas, mais qui conduisait toujours à la paix. Alors j'ai demandé à tous ces hommes pourquoi, d'un seul coup cette passion qui les anime et qui les amène là, à Chantilly. Ils sont les adorateurs de la lumière bien ordonnée mais éphémère. Ça, ça va partir, ça va être beau. Ah. Comme disent certains, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et depuis, c'est un virus qu'on n'a pas encore trouvé l'antidote, ça, les feux d'artifice. Mais je pense que je suis pas le seul, là, sur le site, à avoir attrapé le virus. Ouais, ouais, je pense. C'est ce virus, ça. Oh, bah, vous savez, on dit que quand on a senti la poudre noire une fois, on peut plus s'en passer, mais je crois que c'est vrai. Hein. Bon, alors nous, ici, que va Thierry, pour confirmation? Mon père donc, faisait partie d'un était pompier du comité des fêtes et il tirait toujours le feu du 14 juillet et du 15 août. Et quand on est gamin, bon, bah, on suit un peu son père dans la lignée. Et j'ai pris la passion, enfin le virus de la pyrotechnie, je vous dis, j'avais 13-14 ans. Quoi. Le feu d'artifice est une passion pour vous? Il me semble, oui. J'en vis depuis 3 ans, depuis l'âge de 3 ans. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Je sais pas, réellement. Et à l'âge de 3 ans, je raconte cette anecdote parce qu'elle est vraie. J'ai eu la chance de voir la fête du lac d'Annecy qui célébrait le centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Et ce jour-là, ça a été le déclic. Je savais que je ferais ce métier-là. J'ai toujours bassiné mes parents avec ça. Je voulais être soit ça, soit chef d'orchestre. Donc je fais de la musique aussi pour le plaisir et très fréquemment. Et du reste, ce métier me permet d'ailleurs de pratiquer la musique. C'est qu'il n'y a pas seulement que les chimistes, les réalisateurs, mais il y a également des personnes à l'usine qui sont passionnées. Vous avez deux couleurs, vous avez le bleu et le sang le plus rare. Le sang le plus rare, c'est couleur or, c'est scintillant. Ça retombe, ça fait
comme des pépites d'or. Voilà. Ouais. C'est très très beau. Vous avez jamais vu? Non. Très beau. Et le bleu est très beau, c'est magnifique. Alors on met moitié-moitié, vous voyez, ça c'est, c'est une habitude. 40 grammes de poudre. Et ensuite, le salpeur. Le salpeur, oui. Oui. Ça, c'est pareil. Ça nous fait une bombe. Voilà. C'est du bleu salpeur. Vous avez déjà vu ce que ça faisait? Oui, c'est très beau. J'ai fait un petit feu d'artifice pour les 20 ans de ma fille le 13 juillet. Oui. Et c'est magnifique. Hein. J'ai épaté tout le monde. Hein. Puis c'est un peu. C'est un peu de l'orgueil aussi parce que c'est moi qui les ai faites et les copines aussi. Enfin, c'est, ça fait plaisir de voir le travail qu'on fait. C'est tant de. On passe des heures là pour finalement quelques secondes. Hein. Tout le monde partage la même fierté de faire des feux d'artifice. Alors Jean-Pierre Ziegler, qui est chimiste, je vous l'ai déjà dit, s'arrête même de manger d'un seul coup. Il écrit une formule sur la nappe en me disant « Ah, j'ai peut-être trouvé le secret de telle ou telle bombe. » Allez comprendre. J'étais en relation avec un vieux pyrotechnicien qui m'a transmis tout son savoir-faire. Et on a fait tous les deux, on a de suite été très amis. Et pour moi, c'était mon père de la pyrotechnie, parce qu'il m'a fait, ça a été le premier à me faire voir une flamme. Là, il y a des dégustateurs de vin. Ils arrivent à retrouver là-dedans les ingrédients, les machins. Ils arrivent à, c'est un métier. Et lui, c'était un dégustateur de flammes. Il voyait une flamme. Il dit, regarde ça. Là, tu as vu le charbon qu'on a utilisé, là, il est trop fin. Regarde ce bout de titane qui commence à continuer à brûler avec l'oxygène de l'air. Regarde là, tu as vu le bout de la flamme, là, elle est un peu blanche, à mon avis. Alors, ça c'est fabuleux. Arriver à décomposer une flamme comme le fait un tasse de vin d'un Bordeaux. Et c'est fabuleux. Après, à partir de là, vous avez la porte ouverte à la découverte, puisque vous avez accès aux clés. Il faut savoir y regarder de près. Avec l'expérience, il y a accumulation de connaissances, remplissage d'une case d'ici, une case là, vous rencontrez des gens, des nouveaux produits et vous accumulez des connaissances. Voilà. Puis un jour, vous arrivez à coller trois cases, une ci, une là. Et c'est ça. La création, c'est ça. C'est à partir de connaissances acquises, arriver à les faire. Fondre entre elles pour créer la nouveauté. Mais alors, combien de temps cela peut-il prendre de composer un feu d'artifice? Un feu comme Chantilly? Personnellement, il m'a fallu un bon mois. Un bon mois. Pas à temps complet, mais il faut un bon mois pour. Il faut que ça mûrisse, c'est comme tout. Vous avez des idées, vous les mettez sur le papier, vous les changez, puis au fur et à mesure, ça mûrit et puis ça se construit. Pendant la création, là, c'est un pied inimaginable parce que je ne sais pas ce que ressentent les peintres, même si je dessine beaucoup, mais on est dans un univers. C'est sans doute une sorte de fuite par rapport, mais on sort complètement de la réalité. On est dans un univers, on crée. C'est la création, c'est-à-dire qu'on oublie tout ce qui est autour de soi, on oublie ses problèmes, on oublie les problèmes des autres, on oublie tout, et on ne vit plus que dans la création d'un univers qui n'existe pas encore, qui va exister quelques minutes et qui n'existera plus après. C'est complètement éphémère, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Moi, je me lasse très vite de tout, sauf du feu d'artifice, parce que il est là et il est déjà parti. Ces quelques minutes de tonnerre, ils les ont tournées et retournées dans leur tête pour enfin un jour les écrire et les mettre en musique. Là, il y a un peu de vert là. On fera un arc-en-ciel comme ça là. Il y a quelques bombes ici là, incrustées. Bon bah là c'est le Vertu Gadin qui part. Et là on va monter. À chaque fois que la musique monte là, 75, 100, 125, 150. Le stress commence à monter. Ils sont tous pris du stress. Comme tous les artistes, ils ont la trouille de monter sur scène. Le feu partira-t-il correctement? Nul ne le sait. Aucun de ces hommes qui vont s'affronter ne pourrait l'affirmer.
il suffit de tellement peu. D'un fil électrique défaillant, d'un branchement mal fait, et toute la synchronisation du feu sur la musique est perdue. Un feu. Non, je suis en train de chercher ce que ça va donner. Ben, de toute façon, maintenant, les dés sont jetés, hein. Ah bah oui, non, mais ça c'est sûr, mais... Il aurait fallu un petit peu de vent, quoi, ça aurait été bien, mais bon, c'est... Parfois, il y a des problèmes dans le feu d'artifice qui font que vous avez des engins qui ne montent pas à l'altitude désirée ou des problèmes de ligne électrique ou des problèmes d'humidité ou toutes ces choses-là qui font qu'on n'est jamais vraiment sûr à 100% de ce qu'on fait. Mais vous savez, la pyrotechnie, c'est aussi ça qui fait son charme. Voilà, l'heure de l'émerveillement est arrivée. 4, 3, 2, 1, et puis, c'est l'émerveillement. Pourtant, penchés sur leur pupitre de tir, ils ne voient rien. Ils imaginent. Au son des explosions, ils se synchronisent et passent dans leur tête les tableaux qu'ils ont eu tellement de plaisir à faire. Les exclamations du public les comblent. Claude de Vernois, c'est l'incident stupide, tellement redouté. Un récepteur radio ne répond pas. Une séquence risque de ne pas partir. Elle éliminera le ciel avec quelques secondes de retard. Alors j'espère vraiment que ce récit vous a plu, que je vous ai fait partager mon amour de l'éphémère. Écoutez, à très bientôt. À très bientôt sur ma chaîne. Et puis, si vous avez aimé, un pouce, et puis abonnez-vous. Allez, au revoir.